T'es bien sur la chaîne du Debout Farfou. J'ai toujours Stadia. C'est à toi. Pour une fois que j'avais l'occasion d'y aller, c'est un ami qui m'a donné la possibilité d'y aller. J'habite à Marseille, donc c'était l'occasion de se voir. On a passé la journée ensemble. C'était super cool, hein. On a bien rigolé, mais voilà quoi. On a vraiment déchanté. Allez, c'est du match. Qu'est-ce que c'est? Sérieux quoi, se faire sortir par Annecy, 15e Ligue 2, que de sortir Rennes et Paris. Il va où? Elle est où les gars? Putain. C'est quoi cette prestation hier? Alors oui. Ça faisait 7 ans. 8. 8 ans depuis 2015. À l'époque de Gignac, Ayew, Batshuayi. Tu te rappelles? Ben ça faisait depuis 2015 que je t'ai parlé. Là, bon, j'habite pas loin, j'habite à 1 heure, mais bon. Après, j'ai pas trop l'occasion d'aller à Marseille, quoi. Bon. Là, c'était l'occasion. D'ailleurs, je remercie encore la personne qui m'a invité, qui m'a offert la place, quoi. Et voilà, se reconnaîtra. Sinon, voilà, ben blasé, quoi. Voilà, on était chaud avec le collègue. Voilà, on a rigolé toute la journée. On s'est mis un peu la front. Hein. On était chaud, on était chaud bouillant. Ah, il nous a éteint. Balerdi, putain. Balerdi, quoi. Ah, mais je crois que j'ai jamais insulté. Avec mon pote, on a insulté de toute sa famille, mais de voilà, toute sa descendance, je crois. Et son ascendance. Ah non, mais il a vraiment pas de niveau, quoi. Je sais pas. Hein. À un moment donné, faut se remettre en question, quoi. Même Payet, quoi. Payet, il a sorti à la mi-temps. Je me demande pourquoi il a mis titulaire. Il a changé encore Tudor. Son 11 de départ. Bon, après, c'est pour le faire jouer en coupe. Oui, d'accord. Mais bon, on voit très bien qu'il a plus le niveau, en fait. C'est ce qu'on l'avait demandé plusieurs fois. Ouais, mais Payet, bon, ben voilà. On comprend pourquoi il ne met pas, quoi. Voilà, le mec, il est en fin de cycle, quoi. C'est foutu, quoi. Mais bon, après, je suis vent, quoi. Ça te dégoûte, quoi. Tu pars bien, 1-0, but de Vertu. Bon, tu galères un peu quand même pour marquer. Mais quoi, tu joues quoi, un quart d'heure, quoi. Et bon, après, voilà, ils nous ont marché dessus en seconde mi-temps, quoi. Après, bah, bien joué Annecy, hein. Félicitations à eux. Ils ont joué à fond le match de leur vie. 15e de Ligue 2. Ils arrivent, ils posent leurs couilles. Et ils viennent se poser au Vélodrome devant 60 000 personnes un mercredi soir. Il y a école le lendemain, les gens ils travaillent et tout, tu vois. Et voilà, franchement, vous n'avez pas respecté le public. Parce qu'il était là, on était là, on a mis le feu. Encore présent, quoi. Vous n'avez pas respecté le public, vous n'avez pas respecté les supporters. Hier soir, c'était un scandale, quoi. C'était un scandale. Alors, on était sur une bonne dynamique et ces deux matchs-là, ils nous plombent complètement entre celui de Paris 3-0 et celui-là, là, on ne s'y attendait pas du tout, quoi. On pensait aller au bout quand même, quoi. On s'est dit, bon, voilà, tu sors quand même Rennes. Et Paris, voilà, c'est une faute vraiment professionnelle. Même eux le reconnaissent, même les joueurs. Chemin, quoi. Voilà, il est amer là, ce matin. Il est amer. Fait ce matin. C'est pas le matin, hein. Mais bon, je me suis compris, quoi. Non, parce que bon, ouais. C'est le lendemain de défaite, quoi. Et le lendemain de cuite aussi. Et comme j'ai pas dormi de la nuit, et ouais. Tout ça pour ça, j'ai fait une nuit blanche pour une défaite là, minable.
Et voilà, et du coup, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, et voilà, faut relever la tête. Et on va dire, on n'a plus rien, on n'a pas, on va faire une saison blanche, quoi. Voilà, on va pas gagner de trophée encore cette saison, et voilà, accrocher cette deuxième place, quoi. Et bon, moi j'ai peur qu'on la perde. Il y a Rennes qui arrive bientôt. Il y a quelques échéances là, qui vont être primordiales, quoi. Faut pas baisser le pied, quoi. Alors certes, ouais, c'est deux défaites qui font très mal, quoi. Et pour une fois que je vais les voir, ben voilà, blasé, quoi. Blasé, blasé, quoi. Vraiment écœuré, quoi. Et voilà, c'est le football, hein. C'est la magie de la Coupe de France, comme on dit. Et les petits sortent. Souvent les gros, quoi. Bon. Après, ben, félicitations à Annecy. Félicitations à Annecy. Ah, je dis qu'ils ont joué leur match. Match de leur vie, les gars. Et voilà, hein. Écoute, c'est pas volé. C'est bien fait, enfin. Ils les ont pris de haut. Ils étaient suffisants hier, les joueurs. Même Guendouzi qui rate ses passes, Rongier, si, Sanchez qui rate son penalty. Pour l'égalisation, bah, heureusement, ce jeune là, Muge là. Ce jeune Muge du stade de formation qui égalise, il nous a redonné espoir. Voilà, Balerdi, mais faut qu'il se casse, quoi. Il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1, tout simplement, quoi. C'est même pas une histoire de l'Olympique de Marseille ou pas, quoi. Il a même pas sa place à Angers, quoi. Ça manquait de respect, pardon. À Angers ou Clermont, quoi. Mais bon, voilà. On a vu clairement qu'il y avait des carences, quoi. C'est ce joueur, quoi. J'en peux plus, quoi. Voilà, il a fait quelques matchs. Des éclairs. Un peu. Des matchs où, voilà, il a été pas mauvais, quoi, mais bon, c'est tout, quoi. Et sinon, il a fait que de la merde, quoi. Voilà, pour être clair. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, hein. Bah, un peu dégoûté, quoi, hein. Je suis toujours. Et bon, hein, celui-là, on ne loupe pas, hein. Défaite ou victoire, il est là. Hein. Pasta Gabingas. Celui-là, il ne déçoit jamais. Il fait toujours du bien par où ça passe. Et toujours en place et jamais dégueulasse. Hein? Comme l'OM hier soir. Voilà. C'est tout pour moi. Tenons le rendez-vous au prochain débrief. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, si ça te chante. Supporter marseillais ou parisien. D'autres clubs de Ligue 1 ou étrangers. Voilà. J'accepte tout le monde et les débats aussi. Donc voilà, en général, je réponds, quoi, aux commentaires. Donc, eh ben, voilà, dis-moi ce que tu en penses de ce match. Et je te dis au prochain débrief. Ciao.